Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux, mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de quatre muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait deux autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire, comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède trois cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouge, vert et bleu de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ 1 million de couleurs différentes. Les tétrachromates perçoivent aussi les tons ultraviolets, car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate. Certains animaux, comme les chauves-souris et les dauphins, peuvent voir en utilisant l'écholocation. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flashs sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'une personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dysthysiasis naissent avec une deuxième série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière. Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection, comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude. Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique, et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives, mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes, mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ une personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon ombilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme. Le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apnéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite, mais on la repousse sans cesse.
Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire eidétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Malheureusement, on ne peut pas obtenir une mémoire eidétique avec de l'entraînement, il faut être né avec. Un ultramarathonien nommé Dean Karnazes a couru une distance de 563 km et n'a pas dormi pendant 3 jours. Il est notamment connu pour avoir couru 50 marathons dans les 50 États américains en 50 jours consécutifs. Il a accompli cet exploit en terminant le marathon de New York en seulement 3 heures. Certaines personnes ont une capacité incroyable à trouver leur chemin sans utiliser de boussole, ni même les étoiles. Cette capacité de navigation unique est liée à la force des signaux émis dans une certaine partie du cerveau appelée le cortex entorhinal. Place le dos de ton poignet et de ton avant-bras sur une table, puis joins ton pouce à ton auriculaire. Vois-tu un muscle se soulever au milieu de ton avant-bras ? Si tu ne le vois pas, ne t'inquiète pas, c'est un muscle vestigial. Cela signifie qu'il ne fait plus rien d'utile. C'est un vieux muscle que nous utilisions pour grimper et environ 10% de la population humaine ne l'a plus. Si tu peux remuer tes oreilles, tu peux remercier tes muscles auriculaires. Ce sont ceux qui se trouvent à l'extérieur de ton oreille. Et même si tu n'en es pas capable, ces muscles sont toujours là. Par rapport aux autres mammifères, nos oreilles ne peuvent pas bouger beaucoup. Certains mammifères peuvent tourner complètement leurs oreilles pour localiser les sons. Il suffit d'observer ton chien ou ton chat. La troisième paupière d'un chien peut être un peu effrayante la première fois que tu la vois, mais nous avons aussi une sorte de troisième paupière. Toutefois, cette partie du corps humain ne peut pas bouger toute seule et ne recouvre qu'une toute petite partie du coin intérieur de ton œil. Il est probable qu'elle ait un jour servi à quelque chose, mais elle est à peu près inutile maintenant. Parfois, tu as juste besoin de pleurer un bon coup et c'est bon pour ta santé. Verser des larmes quand tu pleures aide à libérer tes hormones de stress. Cela peut aussi stimuler la production d'endorphines, qui est également la réponse naturelle de notre corps à l'aspirine. Ton cerveau se renouvelle tous les 2 mois. Ton foie, toutes les 6 semaines. Ton épiderme, tous les mois. Même la paroi de ton estomac se remplace tous les quelques jours. Si ton corps ne faisait pas cela, les acides à l'intérieur de ton estomac ne feraient pas que digérer les aliments. Ils commenceraient aussi à te digérer, toi. Les poumons humains contiennent environ 2400 km de voie respiratoire et une surface totale d'environ 70 mètres carrés s'ils étaient mis à plat. Tes poumons sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te garder en vie et te faire respirer. Ils effectuent 12 à 15 respirations par minute, soit environ 17 000 par jour. Ton poumon gauche est légèrement plus petit que ton poumon droit pour faire de la place à ton grand cœur. Après des années d'usure, tes pieds peuvent s'affaiblir suffisamment pour qu'ils semblent grandir. Cela peut entraîner l'aplatissement de nos voûtes plantaires, ce qui signifie des pieds plus larges et plus longs à terme. Cela n'arrive pas à tout le monde, mais les personnes qui ont les pieds ou les chevilles enflées y sont plus sujettes. Mais ne t'inquiète pas, à 70 ou 80 ans, tes pieds n'auront pris qu'une seule taille. Le goût est très influencé par la température de ce que tu manges ou bois. Par exemple, le café chaud semble moins amer et a meilleur goût car la chaleur trompe nos papilles gustatives et détecte l'amertume. Il en va de même pour le café froid. Le froid masque la saveur de l'amertume et crée un arrière-goût plus agréable. Le café à température ambiante n'a pas la même odeur ni le même goût car l'amertume est plus forte. Se brosser les dents de manière trop agressive est tout à fait possible et ce n'est pas du tout bon pour tes dents. Cela va user les mailles et les rendre plus sensibles aux aliments chauds et froids. Les dents ne se réparent pas toutes seules, alors il faut en prendre soin. Ralentis ton brossage et prends 2 minutes complètes pour bien nettoyer tes dents. N'oublie pas non plus d'utiliser du fil dentaire. Oh, le téléphone sonne. Il doit y avoir quelque chose d'urgent à 23h. Sauf que tous les gadgets de la maison sont silencieux. Oh non, ce sont tes oreilles qui font des leurres. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tout ce bruit ne provient pas d'une source extérieure. C'est ce que l'on appelle les sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles en permanence ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit, lorsque rien ne te distrait. Le bruit que l'on perçoit dans les oreilles est appelé acouphène. Il est assez courant et touche 15 à 20% de la population. Les acouphènes commencent dans la partie de l'oreille interne qui a la forme d'un escargot. C'est ce que l'on appelle la cochlée. Ton oreille moyenne capte les ondes sonores. Elles sont ensuite traduites en impulsions électriques dans l'oreille interne.
Puis, les nerfs sensoriels transmettent ces impulsions à ton cerveau. Si ton oreille interne ne fonctionne pas correctement, ton cerveau peut mal interpréter les sons. Les acouphènes surviennent lorsque le nerf cochléaire subit certaines modifications. Elles peuvent être causées par un bruit fort, comme les scies à chaîne, les marteaux-piqueurs, la musique forte ou les cris. Les acouphènes peuvent se déclencher après un traumatisme crânien, une lésion du cou ou une blessure à l'oreille, ou après avoir commencé à prendre certains médicaments. Tu peux également entendre des bourdonnements d'oreilles si tu as des problèmes de tension artérielle. Partons maintenant ailleurs dans l'incroyable corps humain. Certaines des bactéries qui vivent dans tes intestins peuvent produire de l'électricité. C'est dingue, oui. Elles émettent des électrons et cela génère de minuscules courants électriques. C'est probablement le système de secours de la bactérie, sa façon de générer de l'énergie. Les hommes sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos plus proches parents génétiques, les gorilles et les chimpanzés, sont privés de ce petit morceau d'os qui dépasse de la mâchoire. Leurs mâchoires inférieures sont en biais vers le bas et en arrière par rapport à leurs dents de devant. Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce mystère. Leurs opinions divergent quant à la raison pour laquelle les gens sont ainsi faits. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mastiquer notre nourriture. D'autres estiment qu'ils ont certainement un lien avec la parole. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est tout simplement un endroit spécial pour faire pousser une barbichette. Cligner des yeux permet de garder ceci propre et humide. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu fais en fait une micro-sieste. Des chercheurs de l'Université de Washington ont constaté que le fait de cligner des yeux augmentait la vigilance et permettait de recharger les batteries. As-tu déjà vu de minuscules points se déplacer en ligne sinueuse, surtout lorsque tu regardes un ciel bleu vif? Ces points ne sont visibles que durant une seconde environ et ils peuvent ressembler à de minuscules vers. Ces derniers sont en fait tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires devant la rétine. C'est le tissu photosensible situé à l'arrière de tes yeux. Curieusement, la plupart des gens ne font même pas attention à ces points, à moins qu'on ne leur demande de le faire. La glande pinéale du cerveau assure la production de la mélatonine. C'est cette même hormone qui régule le sommeil. La glande ressemble à un pignon de pain et c'est ainsi qu'elle a reçu son nom. Le cerveau humain est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. Par conséquent, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore également ta mémoire, réduit ta capacité d'attention et nuit à ton humeur. Au fait, ton cerveau veille à ce que tu ne boives ni trop ni trop peu d'eau. Après avoir avalé un liquide, la bouche et la gorge commencent à envoyer des signaux au cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à avaler de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Il suffit aux yeux de voir quelque chose pendant seulement 13 millisecondes pour que ton cerveau traite déjà cette image. À titre de comparaison, le clignement moyen dure de 100 à 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est lié à la façon dont elle est constituée. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. Mais contrairement aux autres muscles de ton corps, ceux-ci ne sont pas répartis autour d'un os de soutien. La structure de la langue est similaire à celle de la trompe d'un éléphant ou des tentacules d'une pieuvre. Ton corps dégage une lumière visible, c'est pourquoi on m'appelle Sunny. Ah, tu brilles le plus à 16h et le moins à 10h. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux sont capables de percevoir. La sueur est principalement composée d'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres choses. Elle contient même de minuscules traces de métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne à la sueur un goût salé, c'est le sodium qu'elle contient. Par ailleurs, plus on consomme de sel, plus la sueur est salée. Ton corps essaie de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Le sang d'un adulte représente 7 à 8% du poids total de son corps. Environ 55% de notre sang est constitué de plasma liquide. Le reste est formé de globules rouges et blancs et de plaquettes. Il crée des caillots et empêche les saignements. On ne peut pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu ingères et l'air que tu inspires descendent d'abord dans la même partie de ta gorge. Un peu plus profond seulement, le passage se divise en l'œsophage, pour la nourriture et le liquide, et la trachée, pour l'air. En avalant, tes voies respiratoires se ferment automatiquement. Cela t'empêche d'inhaler accidentellement de la nourriture, mais parfois, cela arrive quand même. Ton cerveau génère parfois plus de 48 pensées en une seule minute. C'est presque 3000 pensées par heure et 69 000 par jour. Les ongles poussent plus vite sur la main dominante. Si tu utilises souvent ta main droite, tu devras lui couper les ongles plus souvent. Les ongles poussent également plus rapidement en été et pendant la journée. On peut mémoriser jusqu'à 10 000 visages différents. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre et le nombre moyen est de 5 000. Cela ne veut pas dire que tu puisses identifier chacun de ces visages. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits.
Si jamais tu as envie de mentir, sache que ton nez te trahira toujours. Lorsqu'une personne raconte un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux monte. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Les femmes ont à la surface de leur langue davantage de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les dents sont la seule partie du corps qui ne peut pas se soigner elle-même. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les battements de ton cœur se synchronisent souvent avec la musique que tu écoutes. Si un morceau présente une augmentation continue du volume ou du tempo, comme le rock, il peut faire accélérer ton rythme cardiaque. Certaines musiques classiques font baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle. Ce phénomène touche tout le monde, des musiciens professionnels aux amateurs et aux mélomanes. Le corps humain compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. La sueur qu'elles produisent est de deux types différents, la sueur de stress et la sueur régulière. Eh, ne va pas suer comme un vieux porc, la sueur causée par le stress contient des acides gras et des protéines. Et la sueur normale est principalement composée d'eau, de sel et d'un tout petit peu d'autres substances. Il peut arriver qu'on se brosse les dents trop profondément et durement. Cela peut user l'émail et rendre les dents très sensibles aux aliments froids et chauds. Si tu marchais dans une même direction 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du monde. Et n'oublie pas de porter des bottes en caoutchouc pour quand tu traverses l'océan. Si l'acide de ton estomac rentrait en contact avec ta peau, il y aurait de fortes chances pour qu'il y fasse un trou. Tout cela en raison de l'acide chlorhydrique. Ce type d'acide est incroyablement puissant. Il peut facilement dissoudre certains métaux, par exemple le magnésium ou le zinc. L'acide chlorhydrique est le principal composant de l'acide gastrique que ton estomac produit. Il protège notre système immunitaire et élimine les virus et les bactéries présents dans les aliments que nous mangeons. Cet acide aide également le corps à décomposer, à digérer et à absorber toutes sortes de nutriments, y compris les protéines. Les lèvres sont rouges parce qu'elles contiennent une grande concentration de capillaires sanguins miniatures juste sous la peau. Ton petit doigt est très puissant. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer. Et ton auriculaire, avec ton annulaire, assure la force de saisie. L'organe le plus gras de ton corps est ton cerveau. La graisse représente au moins 60% de son poids sec. Cette qualité a permis au cerveau d'atteindre le record du monde Guinness. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de ton corps, ce qui est vital pour le bien-être du cerveau. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi on en a fait un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend ensuite plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent de plus en plus fragiles. Un nouveau type de cellule cérébrale, récemment découvert, est crucial pour la recherche visuelle. On les appelle cellules cibles. Sans leur aide, il serait impossible de repérer une connaissance dans une foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles se moquent de l'apparence de la chose que tu cherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Eh, plutôt simple, non ? Ton cœur fait la taille de ton poing. Ton cerveau, deux poings serrés. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec son rythme. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps, crois-moi sur ce point. Il y a autant de cellules nerveuses dans ton cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, environ 100 milliards. Tu mesures 1 cm de plus le matin que le soir. Tu peux remercier la gravité pour cela. C'est aussi pourquoi les astronautes deviennent 3% plus grands pendant leur séjour dans l'apesanteur de l'espace. Une personne moyenne respire plus de 11 000 litres d'air par jour, ce qui suffit pour gonfler 1000 ballons. Ton corps contient suffisamment de vaisseaux sanguins pour faire le tour de la planète 2,5 fois. Tu passes 4 mois de l'année à dormir. Dans une vie, 26 ans. Seulement 6 de ces années seront passées à rêver. On oublie 50% d'un rêve dans les 5 minutes qui suivent le réveil. 10 minutes plus tard, c'est 90%. Voici les mauvaises nouvelles. Ton nez et tes oreilles sont les seules parties de ton corps qui n'arrêtent jamais de grandir. Le cerveau humain produit suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Si ton œil était un appareil photo numérique, il aurait une résolution de 576 mégapixels. Le cerveau humain pourrait stocker l'équivalent de 2,5 millions de gigaoctets, soit 3 millions d'heures de ta série de télévision préférée. Chaque cellule de ton corps contient 1,5 gigaoctet d'informations.
Fais le calcul pour les 100 billions de cellules et tu verras que tu es un puissant ordinateur ambulant. Ton cerveau se refroidit quand tu bâilles. Tes oreilles fonctionnent même lorsque tu dors, mais ton cerveau ignore les informations qui lui parviennent. La distance entre tes bras tendus est égale à ta hauteur. Tu renouvelles ton squelette tous les 10 ans. Tu perds une centaine de cheveux par jour et c'est tout à fait normal. Les humains sont les seules créatures qui dorment sur le dos pendant une longue période. Les koalas, comme les humains, ont leurs propres empreintes digitales. Les empreintes de ta langue te sont également propres, mais ne léchons pas le scanner. Des scientifiques de l'université de Pittsburgh ont découvert que les personnes aux yeux bleus et verts sont moins sensibles à la douleur que les personnes aux yeux marrons. Mais les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière que les yeux foncés. Les micro-organismes du corps humain sont 10 fois plus nombreux que ses cellules. Et ensemble, toutes les bactéries dans ton corps pèsent environ 1,8 kg. L'ongle qui se développe le plus rapidement est celui du milieu. Le plus lent, ton pouce. Les blonds ont plus de poils que les bruns et les roux. Ta capacité à distinguer les odeurs disparaît quand tu dors. Il y a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou de 7 cm. Sans le petit doigt, ta main perdrait la moitié de sa force. Peu importe comment tu l'as perdue. Aïe ! Les gens ne peuvent pas digérer l'herbe. Les vaches le peuvent parce qu'elles ont 4 estomacs. L'esprit génère environ 70 000 pensées par jour. Un homme fera pousser 15 mètres de barbe en une vie, la hauteur d'un poteau téléphonique. Il suffit d'une minute pour que nos 5 litres de sang circulent dans le corps. Au cours d'une vie, une personne moyenne fera l'équivalent de 3 fois le tour du monde à pied. Une personne peut avoir de 250 à plus de 1000 poils par sourcil. Tes sourcils ont aussi une durée de vie, environ 4 mois pour que tous les poils tombent et soient remplacés par de nouveaux. Ouf, heureusement! Tes yeux sont le seul organe qui ne grandissent pas avec l'âge. Ton corps brille dans l'obscurité, c'est juste trop faible pour que tu puisses le voir. 99% du calcium du corps se trouve dans les dents et les os. L'œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs différentes. La plupart des gens passeront 4 mois de leur vie à attendre au feu de circulation. Quelle perte de temps! Les muscles de ton iris se contractent et se dilatent pour déterminer la taille de tes pupilles. Tes pupilles deviennent plus grandes quand tu regardes quelqu'un qui t'attire. Ta peau couvre une surface de 2 mètres carrés. La peau la plus épaisse se trouve sur la plante de tes pieds, la plus fine sur tes paupières. Ton estomac rougit quand tes joues le font. La seule partie du corps humain qui ne puisse pas se rétablir par elle-même, ce sont les dents. Les gens peuvent présenter jusqu'à 7000 expressions faciales différentes, comme celle-ci, ou celle-ci, ou même ceci. Le plus grand organe du corps humain est la peau, qui pèse 9 kg. Tu ne peux pas éternuer les yeux ouverts ou respirer en fredonnant, c'est ainsi. Les bosses sur ta langue sont des papilles. Toutes les papilles ne contiennent pas des papilles gustatives, mais celles qui en contiennent peuvent en avoir de 1 à 5 chacune. Tes os sont composés à 30% d'eau. Les atomes de ton corps sont constitués de vide à 99%. Et pourtant, tu te sens plein après le dîner. Comment cela se fait-il? Le cerveau se développe pendant les 18 premières années de la vie, puis diminue de 5% tous les 10 ans, après 40 ans. Cela explique beaucoup de choses, tu ne penses pas? Ton estomac a généralement un volume de 1 litre, mais il peut s'étirer pour contenir 4 litres. Nous passons 10% de nos heures d'éveil, les yeux fermés, juste pour cligner des yeux. Les muscles qui font travailler nos doigts sont en fait dans notre avant-bras. Ton pied a la même longueur que ton avant-bras. Même ratio avec ton pouce et ton nez. Avec un entraînement approprié, un seul doigt pourrait supporter tout le poids de ton corps. Tes ongles de pied poussent 3 fois plus lentement que tes ongles de main. Tes poumons ne sont pas identiques. Celui de droite a 3 lobes et celui de gauche en a 2. Tes cheveux poussent plus vite quand tu dors. La seule chose qui pousse plus vite que les cheveux, c'est la moelle osseuse. L'émail des dents est le tissu le plus dur de ton corps. Tes os sont 4 fois plus résistants que le béton. En moyenne, une personne boit assez d'eau au cours de sa vie pour remplir 150 jacuzzis. Tu as une odeur unique. Les gens perdent la moitié de leur papille gustative d'ici l'âge de 60 ans. Ton corps dégage assez de chaleur en une demi-heure pour faire bouillir 2 litres d'eau. Ton cerveau utilise 20% de l'énergie que ton corps produit. Ton corps utilise plus d'énergie pour se rafraîchir les jours de chaleur que pour se réchauffer lorsqu'il fait froid. Les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans sommeil. L'acide de l'estomac peut dissoudre les métaux.
Il est si fort que l'estomac doit créer une nouvelle paroi tous les 3 à 4 jours. Alors, qu'est-ce qui te ronge ? Le ronflement le plus fort jamais enregistré était de 93 décibels, plus fort qu'une tondeuse à gazon. Ouais, je crois que c'était dans ma maison. Une seule molécule d'ADN dans une cellule fait 2 mètres de long. Si tu pouvais dérouler tout l'ADN de ton corps, il ferait l'aller-retour jusqu'à Pluton. Sauf que Pluton n'est plus une planète. La règle des 3 stipule que le corps humain peut passer 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Mais pas 3 secondes sans Internet. Ton cerveau oublie des informations pour penser plus vite et se protéger des surcharges émotionnelles. Nos yeux peuvent voir la flamme d'une bougie jusqu'à 50 km un soir dégagé. L'ADN humain ressemble à 96% à celui d'un chimpanzé, à 90% à celui d'un chat, à 70% à celui d'une limace et à 50% à celui d'une banane. Ça en jette! Tu partages 99,9% de ton ADN avec n'importe quelle personne de la planète. Une version imprimée de ton code génétique complet compterait plus de 260 000 pages, ce qui représente environ 200 gros livres. En termes de muscles, ta langue est comme une trompe d'éléphant et un tentacule de pieuvre. Ok. Tes ongles sont faits de la même matière que la corne d'un rhinocéros et le sabot d'un cheval. Et le rhinocéros aimerait bien la récupérer. Nous avons des ongles pour protéger le bout de nos doigts. Sans eux, il serait plus difficile de saisir les choses. Tu utilises 200 muscles juste pour faire un pas et 50 muscles juste pour utiliser des baguettes. Tu utilises 2 doigts pour jouer chopsticks au piano. Le mot muscle signifie petite souris en latin, car c'est à cela que ressemblait un biceps fléchi selon les Romains de l'Antiquité. La surface du corps pourrait contenir 110 000 moustiques à la fois et en nourrir 15 millions. Des volontaires par ici ? La plupart des gens prononcent environ 125 mots par minute. Le cerveau peut en traiter 800 en même temps. Moi, je peux jusqu'à 185, avec des rafales de vent allant jusqu'à 250. Ta peau se renouvelle complètement tous les 27 jours. Tu ne peux pas te chatouiller, ton cerveau connaît déjà tes intentions et prépare ton corps pour cela. Les humains sont la seule espèce ayant un contour qui sépare les lèvres de la peau environnante. Tes lèvres sont rouges ou roses parce qu'il y a des tonnes de capillaires juste sous leur fine peau. Tes oreilles produisent plus de cérumen quand tu as peur. Je dois être terrifié. Les informations voyagent vers et depuis le cerveau à une vitesse de 435 km/h, plus rapide qu'une flèche. Le plus petit os et le plus petit muscle de ton corps se trouvent tous les deux dans ton oreille. Ta tête pèse 4,5 kg. Tes yeux respirent. Ouais, la cornée est la seule partie de toi qui n'a pas d'apport sanguin. Elle reçoit l'oxygène directement de l'air. Les cornées de requins sont si semblables à celles des humains qu'elles pourraient être utilisées pour la transplantation. La moitié des os de ton corps se trouve dans tes pieds et tes mains. Allez, on partage les gars! Enfin, les cornflakes ont plus de gènes que les gens. Tes céréales en ont 32 000, tu en as 20 000. Waouh, il faudrait un très grand placard pour contenir 20 000 jeans. Ok, c'est bon, je sors. Allez, à plus! Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle « éternuement du soleil ». Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le Nord. Les Bajos sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes.
le peuple Bajot a développé des rates bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent trois types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs 2 paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité.
une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a 2 douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier, allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne, à moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort. Une 50aine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul, qui est si précieux qu'il a été surnommé « sang d'or ». Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le sang d'or a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Si tu as un petit trou près de l'oreille, tu es unique. Ce phénomène ne touche que 5% des personnes dans le monde. Aux États-Unis, moins de 1% des gens naissent avec ce trou. En Asie et dans certaines régions d'Afrique, le nombre est un peu plus élevé, puisqu'il se situe entre 4 et 10%. Cette caractéristique est souvent héritée génétiquement. Elle peut se manifester sur une ou deux oreilles. Cette répartition est de 50-50. Le trou peut aller jusqu'au bout, où il peut s'agir d'une fossette, d'une bosse ou même d'une simple boule. Selon une théorie, le petit trou est un atavisme qui remonte à l'époque où tous les êtres vivants avaient des branchies. Il existe une mutation génétique qui aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, le gène ordonne à l'organisme de produire une protéine qui réduit la quantité de cholestérol dans le sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens ont cette capacité bien utile. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Un autre 30% a des empreintes digitales en forme de spirale. Et seulement 5% des personnes présentent des empreintes digitales en forme d'arche. Celles-ci peuvent être simples ou en forme d'arc de tente. Environ 35% de la population mondiale est épargnée de la douleur et des désagréments liés aux dents de sagesse qui percent les gencives. Tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Mais environ 5 millions de personnes moins chanceuses doivent se faire enlever leurs dents de sagesse chaque année. Certaines personnes ont plus d'une rangée de cils. Ce phénomène est une mutation génétique appelée dystichiasis. Une personne atteinte de cette maladie a une deuxième série de cils qui poussent derrière la première. Tous ces cils épais et abondants sont vraiment magnifiques, mais ils peuvent aussi causer un certain inconfort. Des poils peuvent commencer à pousser dans la mauvaise direction ou à l'endroit où une glande uropygienne est censée se trouver. Cela peut provoquer des irritations et des larmoiements. Les experts sont convaincus que le peuple du Tibet a muté génétiquement pour pouvoir vivre en haute altitude. Ils possèdent un gène qui les aide à s'adapter à la chute des niveaux d'oxygène à une vitesse stupéfiante. Cette mutation évolutive a été l'une des plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Il n'a fallu que 3000 ans pour qu'elle se développe. En parlant d'oreiller, tu as remarqué que tous ne garantissent pas de beaux rêves, j'imagine. Pire, certains te font carrément prendre des positions anormales pendant ton sommeil et ne soutiennent pas correctement ta tête. Certes, un oreiller à lui seul ne te donnera pas mal au dos, mais il peut aggraver les choses. Mieux vaut ne pas avoir d'oreiller du tout qu'un mauvais. Fais le test par toi-même. Si tu te réveilles en pleine forme et reposé après une nuit sans oreiller, c'est le moment de jeter le tien. Pour vérifier si un oreiller assure un bon soutien de la tête et du cou, il suffit de poser dessus un livre ou quelque chose de similaire, puis de l'enlever et d'examiner le résultat. Un bon oreiller retrouve sa forme initiale en quelques secondes. Pour l'aider un peu, il faut le laver tous les 6 mois. Si tu as un oreiller très confortable, veille à changer souvent la tête d'oreiller. C'est une éponge pour les germes et elle peut même endommager ta peau et tes cheveux. Tu pourrais aussi essayer une tête d'oreiller en soie. Elle n'agresse pas ta peau. Et comme la soie absorbe moins d'humidité que le coton, elle ne la dessèche pas non plus autant. Si tu dois absolument te démêler les cheveux au réveil, faute de ressembler à un fou ou une folle échevelée, tu devrais essayer de dormir sans oreiller. La nuit, tout le monde se tourne et se retourne. Chaque fois que l'on se bouge dans le lit, on se frotte les cheveux contre la tête d'oreiller. Peu importe si tu essaies de t'endormir ou si tu fais un rêve dans lequel tu es poursuivi par une meute d'énormes lapins affamés, tes cheveux finissent toujours par morfler. Tu sais que tu ne dois jamais te coucher avec les cheveux mouillés, n'est-ce pas? Cela abîme les cheveux, les emmêle davantage, peut affaiblir ton système immunitaire, ce n'est pas hygiénique. Et cela peut contribuer à ce que ta tête d'oreiller devienne carrément moisie. Blurk.
Il existe une multitude de têtes d'oreiller et chaque personne a besoin d'un oreiller différent selon la façon dont elle dort. Les personnes qui aiment dormir sur le ventre ont besoin d'oreillers plus fins et plus doux. Les personnes qui dorment sur le dos ont besoin d'un oreiller plus gros et capable de soutenir leur tête correctement. Si tout comme moi, tu changes de position toutes les 10 secondes, essaie de trouver un oreiller dont le rembourrage est un peu mou, afin qu'il puisse s'adapter à ton nouveau style de sommeil. Parfois, les oreillers peuvent être la raison pour laquelle tu te réveilles fatigué et grincheux. Que veux-tu dire par là? Ah, tu vois! Le mauvais type d'oreiller rend les muscles de ton cou tout tendus. C'est ainsi que les maux de tête commencent. Si ton oreiller est trop volumineux, ton cou va être courbé toute la nuit. Tu te sentiras mal à l'aise le matin et c'est plutôt mauvais pour ta posture. La même chose se produit lorsque l'oreiller est trop mou ou trop ferme. Ah, c'est comme Boucle d'or et les trois ours, mais sans le porridge. Si tu as l'habitude de dormir avec un oreiller, mais que pour une raison quelconque tu veux essayer de dormir sans, il faut le faire progressivement. Réduis le soutien petit à petit. Si tu dors sur le ventre, essaie un oreiller fin sous ta poitrine pour trouver le bon équilibre. Si tu dors déjà sans oreiller, assure-toi que ton matelas fasse sa part du boulot. Même si tu as l'impression de dormir dans un nuage de douceur, un matelas moelleux peut te faire excessivement pencher la tête pendant ton sommeil. Si tu as froid, quel que soit le poids de ta couette, essaie de mettre des épaisseurs supplémentaires. Même si tu utilises quelques couvertures plus légères les unes sur les autres, l'air qui est emprisonné entre elles va se réchauffer et te garder au chaud. L'inverse fonctionne tout aussi bien. Si tu as chaud, même un drap très léger peut t'embêter, car il emprisonne toujours l'air chaud. Il faut donc surtout n'en utiliser qu'un, soit une petite couette, soit un drap. Si le mal de dos t'empêche de dormir sur le côté, un oreiller spécial peut faire toute la différence. Glisse-le entre tes jambes pour redresser tes hanches. Cela va beaucoup aider le bas de ton dos. Il convient également pour les douleurs aux genoux si tu dors sur le dos. Il suffit de le placer sous tes genoux pour soulager la tension. Si tu n'arrives pas du tout à t'endormir, eh bien tu n'es probablement pas fatigué. Si tu es toujours réveillé après 20 minutes, tu devrais probablement te lever et faire quelque chose de relaxant. Un peu de musique apaisante et peut-être un peu de lecture t'aideront. Mais attention, ouvrir ton téléphone est la pire chose que tu puisses faire. Les réseaux sociaux et les applications d'information sont conçus pour te garder éveillé. La pire chose que tu puisses faire, regarder l'aiguille des secondes faire son chemin. Détourne ton attention de la montre. Compter les minutes est super stressant, même si tu ne t'en rends pas compte. Vérifie tout ce qui se trouve autour de toi. Il y a peut-être quelque chose d'évident qui t'empêche de t'endormir. Une sorte de lumière qui te frappe les yeux de façon étrange, ou un robinet qui laisse couler une goutte, une goutte, une goutte. Je suis désolé. Essaie de ne rien boire au moins 2 heures avant de t'endormir, à moins que tu n'aimes te réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Il est parfois très difficile de se rendormir, alors laisse tomber le dernier verre d'eau, c'est un conseil. Tu pourras en boire 2 le matin pour te rattraper. Quant à la nourriture, l'horaire est important. Ne mange rien au moins 1 heure avant de te coucher. Une petite cuillère de glace au chocolat suffit. Prendre un gros dîner juste avant de se coucher, c'est comme si ton patron te remettait un projet à 17h un vendredi. Si tu as faim tard dans la nuit, va prendre un encas, quelques gorgées de lait ou peut-être un peu de fromage. Une étude a montré que le fait de manger le soir ce que l'on prend habituellement au petit déjeuner est vraiment utile si l'on veut s'endormir plus vite. Bananes, œufs, toast, ils sont pleins de potassium, de protéines et de glucides. Toutes les choses dont tu as besoin pour te détendre et t'endormir. Briné, une contraction de breakfast et dîner, désigne le nouveau dîner. Alors l'ancien dîner remplace le nouveau déjeuner ou quelque chose du genre ? Le sommeil n'est pas la seule chose qui puisse te rendre productif. Il y a beaucoup de super aliments qui stimulent la productivité. Les baies, par exemple, qui sont géniales pour cela. La plupart des baies sont riches en antioxydants, qui aident le corps et l'esprit. Et sache que plus les baies sont foncées, plus elles contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont ainsi un excellent choix. Même le chewing-gum peut t'aider. Fais travailler ta mâchoire et tu constateras une augmentation de la productivité d'environ 10%. Mâcher te permet de rester concentré. Hé, regarde les vaches! Quelle productivité! La mastication peut t'aider à penser plus logiquement. Elle réduit aussi tes hormones de stress, te garde éveillé et garde tout bien frais comme la menthe. Une feuille d'aluminium bien placée peut aussi améliorer considérablement la qualité de ton sommeil.
La plupart des gens utilisent des rideaux très sombres, mais tu peux essayer de couvrir une partie d'une fenêtre avec du papier d'aluminium, la partie de la fenêtre où le soleil du matin fait irruption pendant que tu dors encore. Ouais. Cela empêche également ta chambre d'être un sauna en été. La nuit, la lumière n'est pas ta meilleure amie, mais tu as en fait besoin de lumière pour bien dormir. Si tu n'as pas assez de lumière pendant la journée, tu risques d'avoir des problèmes après le coucher du soleil. 2 heures d'exposition au soleil par jour peuvent améliorer l'efficacité de ton sommeil. Le soleil est ton ami, alors sors et dis-lui bonjour. S'il te dit bonjour à son tour, c'est qu'il y a peut-être autre chose qui ne va pas chez toi. Tu devrais absolument éviter la lumière bleue des écrans au moins 2 heures avant de te coucher. Téléviseur, ordinateur portable, smartphone, la lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour, c'est pourquoi elle ne te permet pas de bien dormir. Si tu ne peux pas t'endormir sans faire défiler le contenu de tes réseaux sociaux, tu peux au moins télécharger une application qui bloque la lumière bleue, ou bien laisse ton téléphone dans le salon. Certaines personnes aiment ce que l'on nomme le bruit blanc, les sifflements doux ou les chants de baleines, tu sais, peu importe ce qu'elles chantent. Ces personnes disent que cela les aide à s'endormir plus vite et à mieux dormir. Fais donc ce qui te convient le mieux. Certaines personnes mettent même du bruit blanc lorsqu'elles travaillent ou étudient. Il est possible d'acheter une machine à bruit blanc en ligne pour environ 25 euros. Ou si tu vis dans une ville très animée, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Le meilleur sommeil que tu puisses avoir est pendant la nuit. Mais si tu fais une grosse sieste, assure-toi de mettre un réveil au bout de 20 minutes maximum. Ou au lieu d'une sieste, essaie de faire une petite promenade, de te laver le visage et peut-être de prendre un verre d'eau glacée. Dans la figure. Mais si tu veux vraiment faire une sieste, alors ne la fais pas après 17 heures. Ton corps sera super confus et tu auras peut-être beaucoup de mal à t'endormir plus tard dans la nuit. Et attention à la caféine. Elle te donne de l'énergie, ce qui est très bien, tant que tu n'essaies pas désespérément de t'endormir. Il y a de la caféine dans beaucoup de choses de nos jours, pas seulement dans le café. Vérifie ces étiquettes. Chocolat, thé, glace, céréales et même des antidouleurs. Vérifie-les bien pour être sûr. Oh, et désolé mes amis poilus, les lits sont réservés aux humains. Les animaux domestiques adorent laisser des squames, des puces, une tonne de poils, du pollen et d'autres allergènes sur vos oreillers et votre couette. Tu ne peux pas convaincre Milo de dormir dans son propre lit? Il existe des professionnels qui pourront t'aider à apprendre à ton chien les bonnes manières au lit. Moi, eh bien j'aime le chien et le chat sur le lit la nuit, même s'ils monopolisent beaucoup les couvertures. Le savais-tu? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins, pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace.
Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob ! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années. Mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, et bat environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Essaie plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge, elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kg de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de films, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le pop-corn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir.
Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. On peut raisonnablement avancer que tomber de n'importe quelle hauteur peut être très dangereux. C'est encore plus vrai lorsqu'on tombe d'un avion. Et bien pire quand ça arrive sans parachute. L'astuce est alors de créer une résistance à l'air pour ralentir la descente. Alors utilise ta chemise, ton pantalon ou la position de l'ange. N'importe quoi pour réduire un peu la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi à l'impact. Certains ont plus de chance que d'autres. Une Yougoslave, travaillant comme hôtesse de l'air, a survécu à une incroyable chute le 26 janvier 1972, après que l'avion à bord duquel elle travaillait a explosé en plein vol. Tombant d'une hauteur de 10 000 mètres, elle a réussi à survivre, mais a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Les experts ne sont pas d'accord sur la bonne façon d'amortir la chute, mais il y a définitivement une mauvaise façon, atterrir sur ta tête. Te souviens-tu de la règle des 3 pour la survie des êtres humains ? 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de base, mais certaines personnes parviennent à tirer un peu sur la corde. Si regarder un coucher de soleil, humer le parfum des fleurs ou commander un gros hamburger juteux est important pour toi, eh bien sois reconnaissant envers ce délicieux gaz qu'est l'oxygène. Ou bien essaie de faire une seule de ces choses sans lui. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un adulte. Au bout de 10 minutes, eh bien, il n'y a généralement pas de retour à la vie possible. Cela varie bien sûr d'une personne à l'autre en fonction du niveau de forme physique, mais il y en a qui adorent repousser les limites. La plus longue durée pendant laquelle quelqu'un a retenu son souffle a été de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion. Les frères White n'ont qu'à bien se tenir. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites de l'apnée en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlé. Juste avant de passer sous l'eau, il a aspiré de l'air comme un poisson pour essayer d'emmagasiner le plus d'oxygène possible. Étrangement, retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme. Non seulement l'oxygène est important, mais aussi la précieuse H2O et les aliments savoureux. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour survivre. Si nous ne pouvons pas remplacer rapidement la perte d'eau, il ne nous reste que 3 jours à une semaine avant que tout ne soit terminé. L'humidité de l'air, notre âge, notre activité physique et notre santé jouent un rôle énorme dans la rétention d'eau dans notre corps. Lorsque nous manquons d'eau, les zones importantes de notre corps, comme le cœur et le cerveau, puisent de l'eau partout où elles le peuvent. Comme une éponge, ces organes absorbent tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En 1979, un Autrichien dans une cellule de détention a tenu 18 jours sans eau. Il aurait léché la condensation sur les murs de la prison pour rester hydraté. Quelle est la chose la plus effrayante de l'univers ? Un réfrigérateur vide. Sans aucune calorie, ton corps commence à se nourrir de lui-même. Pas exactement le régime que tu avais prévu pour cette année. Pendant les premiers jours, nos réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque tout cela est épuisé, notre corps commence à cibler la graisse, les muscles et les autres protéines, jusqu'aux os. Le jeûne est un moyen courant de laisser notre corps consommer les réserves dont nous disposons. Le plus long des nombreux jeûnes du Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le plus long jeûne connu a été celui d'un jeune homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 à 81 kg. Notre corps est équipé pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment de supermarché où faire les courses. Cela a fait de nous des créatures plutôt bien armées pour faire face à la faim. En tant qu'humain, nous pouvons faire face à de nombreuses situations de survie extrêmes, mais combien de temps peux-tu nager dans de l'eau glacée sans te transformer en bâtonnet glacé ? Que se passe-t-il si tu es coincé dans le désert ou au sommet d'une montagne ? Escalader les sommets du monde, comme les Rocheuses, les Alpes ou même le Mont Everest, est un défi alléchant, mais le vrai danger réside dans le mal aigu des montagnes. Il touche environ la moitié des grimpeurs. À partir d'environ 1500 mètres d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête.
Certains peuvent même avoir des insomnies. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent notre corps. La perte de conscience devient un gros problème pour la plupart des gens à partir de 5000 mètres d'altitude sans préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons ou pire encore. Le mal aigu des montagnes ne se soucie pas que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, pantouflard ou athlète. L'Everest est haut de 8800 mètres et constitue le défi ultime pour les alpinistes. C'est comme grimper 20 fois l'Empire State Building ou 2 fois le Walk of Fame de Hollywood. L'Autrichien Felix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté de 128 000 pieds d'altitude, soit près de 40 km. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi le premier parachutiste à avoir dépassé la vitesse du son, atteignant le chiffre ahurissant de 1340 km/h. Il avait évidemment un équipement adéquat, notamment une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et des systèmes de sécurité. Si tu vas en altitude, souviens-toi des 5 P. Une planification propre prévient les pauvres performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le véritable danger pour nous. Moins l'air est humide, plus l'eau reste là où elle doit être, à l'intérieur de notre corps. Es-tu déjà entré dans un sauna à plus de 110 degrés Celsius ? C'est tellement chaud et humide que tu ne tiendrais probablement que 3 ou 4 minutes maximum. Attends, les humains ne peuvent pas fondre. Si ? Au-dessus de 40 degrés Celsius, il y a un réel risque de coup de chaud. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à notre température corporelle habituelle, mais c'en est un. Imagine que tu sois perdu dans un désert pendant quelques jours, et pas n'importe quel désert, le plus chaud du monde. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre l'a été dans le Nevada, une température folle de 56,7 degrés Celsius. Se refroidir très rapidement peut aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir quasiment impossible une fois que tes organes commencent à s'arrêter et que l'hypothermie s'installe. Dès que notre corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, nos muscles commencent à se raidir. C'est pourquoi tu ne ressens plus le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner pour produire de la chaleur est le moyen naturel de notre corps pour garder nos organes au chaud, mais cela ne fonctionne que dans l'air. Dans l'eau froide, frissonner draine ta chaleur corporelle encore plus rapidement. Si tu n'as jamais entendu parler du club des 300, c'est normal. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants se réchauffent dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis, ils enfilent leurs bottes et courent dehors où il fait moins 73 degrés Celsius. Non seulement ils doivent supporter le changement de température de 166 degrés, mais ils doivent aussi courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer à nouveau. C'est l'heure de faire un petit somme. Le sommeil est très important pour le corps et c'est peut-être pour cela que sortir du lit le matin est si difficile. Nous avons besoin de sommeil pour recharger nos batteries après la longue journée que nous venons de passer. Notre cerveau peut mal fonctionner en cas de manque de sommeil et 8 bonnes heures de sommeil sont idéales pour un système immunitaire sain. Dormir améliore notre mémoire, notre cœur et nous met de meilleure humeur pour la journée. Randy Gardner et ses amis ont décidé de tester les limites de l'éveil dans le cadre d'un projet d'exposcience. Ils ont réussi à rester éveillés pendant 11 jours et 25 minutes. Lorsqu'il a été testé pendant et après l'expérience, Randy parvenait à jouer au basket et n'avait pas d'ondes cérébrales anormales. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un humain. C'est parce qu'il existe 3 types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Le danger réside dans le temps que nous devons passer assis alors que nous sommes projetés comme une poupée de chiffon. Plus nous restons assis longtemps, plus cela affecte notre corps. Nous faisons d'ailleurs l'expérience de la force G à la maison, simplement en nous asseyant trop rapidement sur le canapé, en éternuant ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque 10 fois plus que ce que ressent un pilote de course moyen. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il faut lutter contre le temps lui-même. Le record actuel de longévité chez l'être humain est détenu par Jeanne Calment, qui est née en 1875.
ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des trois dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ses cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en deux étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire, et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué, et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles, non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir. Peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons.
On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka ! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyées. Burk ! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait un centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 euros par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm cubes d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif, par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite, car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations, et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Encore un petit peu, on voit déjà la ligne d'arrivée. Go ! Tu es trempé de sueur, mais ça en valait la peine. Ha ! Tu as couru les 5 km que tout le monde disait que tu ne finirais pas. Tu as prouvé qu'ils avaient tous tort. Mais maintenant, tout ce à quoi tu penses est une douche froide. Il fait une chaleur de fou dehors. Pas un bon jour pour courir, mais au moins, c'est terminé. Dans ces moments-là, les douches froides sont excellentes. Avant tout, elles t'aident à te rafraîchir. Elles soulagent également tes muscles qui ont désespérément besoin d'un peu d'attention après tout cet exercice. Mais que se passerait-il si tu décidais de prendre une douche froide tous les jours, pendant un mois entier ? Tu n'es qu'au premier jour et tu penses déjà que ce n'est pas une très bonne expérience.
Tu sais que tu es sur le point de commencer ce défi et tu le redoutes depuis le moment où tu t'es couché la veille. Bref, c'est l'heure. Tu viens d'éteindre le réveil et tu dois te lever pour aller travailler. Une douche t'aide non seulement à te nettoyer, mais aussi à te réveiller progressivement. Enfin, si la douche est chaude, une douche froide te rendra tout de suite alerte. Tu ouvres le robinet, mais tu ne sais pas trop quoi faire. Prendre ton courage à deux mains et te jeter sous l'eau? Ou est-ce que tu choisis de le faire doucement mais sûrement? Tu ne sais pas laquelle des deux options est la pire. C'est le premier jour et tu te sens courageux. Alors tu sautes sous la douche comme la personne intrépide que tu es. Ah, c'est très froid! Mais au fur et à mesure que l'eau froide touche ta peau, ton corps s'habitue à cette température. Et la douche devient de plus en plus supportable. Prends plusieurs respirations profondes, ça pourrait t'aider. En fait, tu es tout de suite plus alerte. C'est l'un des bons côtés des douches froides. Avant, ton corps était chaud et le choc qu'il ressent augmente non seulement ta consommation d'oxygène, mais il fait aussi monter ton rythme cardiaque. C'est comme une poussée d'adrénaline. Si tu repenses à la course de 5 km que tu as faite il y a quelques jours, la douche froide que tu as prise t'a fait du bien. C'est parce que l'eau froide a des propriétés spéciales qui aident tes muscles endoloris à récupérer. Et comme courir aussi longtemps n'est pas de tout repos, la douche a presque agi comme une journée dans un spa pour ton corps. Ce qui pourrait être la prochaine meilleure chose à faire après une course fatigante. 2 semaines passent et tu en es à la moitié de l'expérience. Ah, il est 7h du matin. Il est temps de prendre une autre douche froide. Ok, c'est parti. Après la douche, tu files au bureau. Dès que tu arrives, tes collègues te font remarquer à quel point tu es rayonnant. Ce n'est pas la première fois qu'ils le constatent, mais tu es encore plus radieux que d'habitude aujourd'hui. Tes cheveux sont magnifiques, ils sont sains et brillants. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire, ça doit être ces douches terriblement froides. Et tu as raison, c'est effectivement grâce à elles. Il s'avère que l'eau froide rend tes cheveux plus forts et en referme les cuticules. Tes cheveux sont donc plus beaux et plus sains que jamais. Les douches chaudes peuvent dessécher la peau de ta tête. La vapeur n'est pas non plus ton amie lorsqu'il s'agit de la santé de tes cheveux. Par contre, l'eau froide, elle n'élimine pas les huiles naturelles de tes cheveux. Ce sont ces mêmes huiles qui leur donnent cet aspect brillant et sain que tu as en ce moment. Ta peau est également superbe, et ce, encore une fois, grâce aux douches froides. Une autre chose que tu as remarqué avec le temps est que tu te sens plus énergique le matin. Cela s'explique par le fait que tu es plus alerte lorsque l'eau froide touche ta peau. C'est comme si tu acquérais instantanément des super-pouvoirs. Au lieu d'être léthargique pendant les premières heures de travail, tu es exceptionnellement productif. Tu arrives à terminer tes tâches plus rapidement que jamais. Un rapport qui prenait toute la matinée est maintenant prêt en quelques heures. Tu respires mieux et les matins sont différents. La balade que tu fais juste après une douche froide n'a jamais été aussi agréable. Le fait que ce soit l'été et que les matins soient plutôt chauds peut également t'aider. Tu sors dehors avec tes cheveux encore un peu mouillés et ton corps refroidi. Les rayons du soleil touchent ton visage et tu te sens incroyablement bien. Lorsque tu as terminé ta balade, tes cheveux sont déjà complètement secs et ton corps est à nouveau chaud. Quand il est temps d'aller au travail, tu es alerte et plus que prêt à affronter la journée. Mais pourquoi as-tu décidé de prendre une douche froide tous les jours pendant tout le mois? C'est comme se réveiller et faire un plongeon dans une piscine glaciale en plein hiver. Les choses étaient trop confortables pour toi. Et ta routine devenait maussade. Tu te réveillais, tu éteignais le réveil. Avec tes yeux encore à moitié fermés, tu allais prendre ta douche. Tu prenais ta voiture, tu arrivais au bureau. Et voilà, c'est tout. Prendre des douches glacées était une nouvelle façon de garder les choses intéressantes et excitantes. Et ce n'est pas tout. Avant de commencer ton expérience, tu as remarqué que ta balance affichait quelques kilos en trop. Ils n'étaient pas les bienvenus. Heureusement, les douches froides ont un moyen d'aider à ça aussi. Il y a des cellules graisseuses dans ton corps. Elles sont appelées graisses brunes. Ces cellules peuvent aider à générer de la chaleur lorsque tu en as besoin. Pendant une douche froide, ton corps a absolument besoin de se réchauffer. Les cellules se mettent alors au travail, brûlant les graisses pour produire de la chaleur. C'est ce qui t'aide à perdre du poids. Les cellules graisseuses brunes sont généralement stockées autour du cou et des épaules. Et comme par hasard, ce sont exactement les endroits que l'eau frappe lorsque tu es sous la douche. Une autre raison de commencer à prendre des douches froides est que ton système immunitaire se renforcera. Des rhumes? Je n'en ai jamais entendu parler. Les douches froides sont également rapides. Évidemment, tu n'auras pas envie de rester trop longtemps sous cette eau glacée. Il ne te faudra donc probablement pas plus de 5 minutes pour finir de te nettoyer. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui filent sous la douche et y restent pendant une heure? Eh bien, ce mois-ci, ta facture d'eau pourrait être beaucoup plus intéressante.
si après avoir entendu tout cela, tu es impatient de commencer ta propre expérience, voici quelques conseils. Ferme les yeux avant d'entrer. Dis-toi, ce n'est qu'une douche et elle sera vite terminée. Tu n'es pas obligé de commencer immédiatement avec de l'eau glacée. Tu peux la rendre tiède, puis la baisser lentement. Certains diront que c'est de la triche. Moi, je dis que c'est s'adapter. Contrôle ta respiration. Prends de longues respirations pendant que tu es sous la douche. Cela rendra l'expérience plus tolérable. Quand tu sortiras de la douche, tu te sentiras super bien. Bois un truc chaud si ton corps frissonne encore. Mais tu ne devrais pas prendre une telle douche si tu as déjà froid. Cela aura l'effet inverse de celui que tu recherches. Tu pourrais même finir par tomber malade. Par conséquent, si tu ne te sens pas bien, privilégie les douches chaudes. Après tout, c'est ce à quoi ton corps est habitué. Une douche chaude peut ouvrir tes voies respiratoires. Cela signifie que tu respireras plus librement et que, globalement, tu te sentiras mieux. Imagine maintenant que tu es encore debout à 1h du matin, prêt à aller te coucher. Tu te brosses les dents et hop, tu te glisses sous les draps. L'horloge tourne et bam! Il est déjà 2h du matin et tu es toujours réveillé. Ok, stop! Tu ranges ton téléphone et tu fermes les yeux. Mais une demi-heure plus tard, tu es toujours en train de fixer le plafond en te demandant pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir. Eh bien, voici une astuce pour toi. Sors du lit et file prendre une douche chaude. Il y a de fortes chances pour qu'1 heure plus tard, au grand maximum, tu sois endormi. Ce ne sera pas un remède instantané, mais cela peut aider. Tu te sentiras plus détendu dès que l'eau chaude commencera à toucher tes épaules et ton dos. Cela t'aidera à réduire le stress de ton corps. Et quand tu sortiras enfin de la douche, ton corps se sentira non seulement apaisé, mais aussi rafraîchi. Une douche chaude est également très efficace si tu as mal à la tête. Et si tu veux aller encore plus loin, prends une huile essentielle de relaxation pour créer cette ambiance. Quelle que soit la direction dans laquelle tu décides de tourner le robinet, une douche aura toujours ses avantages. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais si fatigué, tu avais hâte de poser la tête sur cet oreiller parfumé. Tu pouvais à peine te tenir debout à 21h. Et maintenant, tu te tournes dans ton lit, tu changes de position, tout est soudainement tellement long et ennuyeux. Devrais-tu couvrir tes pieds ou les laisser découverts? Dormir sur le dos, le devant, sur le côté gauche ou le côté droit? Ah! Il y a un clair de lune qui passe par la fenêtre. Alors tu jettes un coup d'œil à l'autre lit dans le coin. Ton ami là-bas dort tellement profondément. Il s'est endormi au bout d'une minute. Ce n'est pas juste. Tu passes la nuit ici parce que demain, vous allez tous les deux faire une petite excursion dans une ville voisine. Bien sûr, vous devrez vous lever à 5h du matin. Yeah! Oh, et regarde l'heure qu'il est maintenant. Pourquoi tu ne peux pas t'endormir? Pourquoi? Pourquoi? La semaine dernière, tu es allé camper dans les bois avec quelques amis et tu as connu les mêmes difficultés. Tu étais très fatigué après une longue journée passée à porter toutes tes affaires, à te promener, à préparer la nourriture, à discuter pendant des heures près du feu de camp. Tes yeux étaient à moitié fermés, tu pensais t'endormir en quelques secondes. Mais ensuite, rien. Les yeux grands ouverts, chaque petite chose te dérangeait et aucune position de sommeil n'était bonne. Alors voilà, la question que je te pose, c'est pourquoi? L'effet première nuit, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on a des problèmes de sommeil dans un nouvel endroit. Le sommeil est une chose formidable, mais l'évolution l'a rendu un peu inopportun pour nous par moments. Pendant le sommeil, le cerveau s'arrête pour quelques heures. Ainsi, tu n'es pas vraiment protégé. Tu ne peux pas repérer un danger potentiel ni te défendre si quelque chose se produit. Certains animaux, comme les dauphins et les baleines, ont développé un système de sommeil où seule une partie de leur cerveau se repose à la fois. L'autre partie est éveillée et prête à fonctionner. C'est un peu la même chose qui se passe dans nos têtes. Non pas qu'il y ait des dangers dans la chambre de ton ami. Bien que, quand tu penses à toute cette poussière sous le lit, qui sait ce qui se cache là-dessous? Nous avons certains instincts qui se sont manifestés il y a longtemps. À l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes et savaient que s'ils dormaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, ils pourraient ne pas y en avoir. C'est aussi pourquoi ils savent qu'il n'était pas prudent de dormir en dehors de leur grotte. C'est en grande partie la raison de l'effet de la première nuit. Si tu dors dans ton propre lit, dans une pièce où tu te sens bien, ton cerveau se dit « Ouf, c'est bon, tu es en sécurité maintenant ». Mais si tu vas dans un nouvel endroit, rien n'y fait. Pas même un lit confortable, un oreiller soyeux ou le fait d'être chez un bon ami. Ton cerveau sait que tu es loin de ta grotte. Il ne peut donc pas se détendre et te laisser t'endormir complètement. C'est un peu comme avec les dauphins.
une partie de ton cerveau se repose, mais l'autre écoute attentivement au cas où quelque chose d'imprévisible se produirait. Ton cerveau ne t'embêtera pas éternellement avec cette histoire de moitié du cerveau qui dort et moitié qui ne dort pas. Lorsque tu passes deux nuits d'affilée au même endroit, ton cerveau a plus de chances de se dire « Ouf, c'est sûr ici finalement !» même si ce tas de poussière m'inquiète toujours un peu. Et il te laissera probablement t'endormir. L'effet du premier soir n'est pas si grave s'il ne se produit qu'occasionnellement. Mais si tu changes souvent d'endroit, tu pourrais passer la plupart de ton temps fatigué, improductif ou confronté à d'autres problèmes. Notre cerveau a des habitudes que l'évolution lui a données. Mais, heureusement, il est aussi assez flexible. Tu peux le tromper et t'aider à surmonter l'effet de la première nuit. Puisque ton cerveau est effrayé par le fait que tu te trouves dans un espace inconnu, tu peux familiariser le lieu et lui montrer que tout va bien. Tu peux apporter quelque chose que tu aimes avec toi. Peut-être ton pyjama préféré, ton oreiller, cette couverture douce que tu ne changerais pour rien au monde. As-tu l'habitude de boire du lait chaud avant de t'endormir ? Fais la même chose dans ton nouvel endroit. Aide ton cerveau à reconnaître qu'il est temps de se détendre. Va te coucher à l'heure où tu te couches habituellement. Tu as des rituels d'exercice avant de te coucher ? Oui, moi non plus. Mais quelle que soit la routine que tu utilises avant de t'endormir, fais-la aussi dans ton nouveau logement. Si tu réserves une chambre d'hôtel, essaye de trouver un lit similaire à celui que tu as chez toi. Si tu dors habituellement dans un lit double, tu pourrais te sentir bizarre, vautré dans un lit king size. Ou bien apporte simplement ton pyjama préféré, c'est moins cher. Rien de ce que tu fais n'est garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Au fait, ça ne t'ennuie pas de rencontrer quelqu'un qui peut dormir n'importe où ? C'est vraiment, vraiment génial de s'allonger, de se glisser sous un tas de couvertures chaudes et... Oups, désolé. De toute façon, le sommeil est important. Nous en avons littéralement besoin pour survivre, tout comme nous avons besoin de nourriture ou d'eau. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les raisons pour lesquelles nous dormons, mais voici ce qu'ils savent pour l'instant. Nous dormons pour stocker de l'énergie. 8 heures de bon sommeil peuvent produire suffisamment d'énergie pour nous permettre de passer une journée énergique et productive. Notre corps a besoin de se restaurer pendant le sommeil. Les cheveux et les ongles poussent, les muscles se réparent. Tout cela, et bien plus encore, se produit pendant que tu dors, sans effort. Ensuite, il y a la fonction cérébrale. Si tu mets un livre sous ton oreiller pendant la nuit, en espérant que ton cerveau le lira d'une manière ou d'une autre, et sera préparé pour l'examen final du lendemain, ça n'arrivera pas. Mais si tu étudies beaucoup et que tu assumes beaucoup de faits, une bonne nuit de sommeil peut certainement t'aider à te souvenir de tout. Une chauve-souris brune dort près de 20 heures par jour, tandis qu'une girafe ne dort que très peu, généralement par petite sieste de 5 minutes. Cette pauvre girafe ne sait pas ce qu'elle rate. Les chats savent certainement comment profiter de la vie. Ils passent les deux tiers de leur vie à dormir. Randy Gardner a établi le record de la plus longue période sans sommeil en 1964. Il avait 17 ans lorsqu'il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Attention, n'essaye pas cela chez toi, ou ailleurs. Peter Powers a décidé d'établir le record inverse et est resté endormi pendant 8 jours d'affilée. C'est génial ! Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu besoin de se lever pour aller aux toilettes ? Si tu t'allonges dans ton lit et que tu t'endors presque immédiatement, cela signifie que tu es vraiment, vraiment fatigué et que tu manques de sommeil. Idéalement, il te faut environ 10 à 15 minutes pour t'endormir. Il y a deux moments précis de la journée où nous nous sentons très fatigués, 2h du matin et 2h de l'après-midi. C'est pourquoi nous avons envie de faire une sieste après le déjeuner au lieu de continuer à travailler. Montre cette vidéo à ton patron la prochaine fois que tu seras surpris à ronfler au bureau après la pause déjeuner. Nous sommes en fait les seuls mammifères qui retardent volontairement leur sommeil. Et de toute évidence, les mammifères les moins cool du monde. À l'époque, seuls 15% des gens rêvaient en couleur. Maintenant, 75% d'entre nous le font. Certains pensent que c'est parce que nos téléviseurs sont actuellement en couleur. En parlant de ça, nous passons environ 2 heures au pays des rêves chaque nuit. Mais si tu veux te souvenir de tes rêves, tu dois les écrire juste après ton réveil. Si tu attends trop longtemps, tu vas oublier tous les super-pouvoirs que tu avais. Au cours d'une nuit moyenne, tu peux changer ta position de sommeil environ 20 fois. La position que tu préfères peut en dire long sur ton caractère. La position couchée sur le dos, les bras en l'air vers l'oreiller, est appelée « étoile de mer ». Ce type de dormeur a tendance à être à l'écoute et à être une personne altruiste qui aime aider les autres.
De plus, ce dormeur peut baisser sa garde plus facilement. Il y a ensuite la position de la chute libre, dans laquelle on est sur le ventre, les mains sur l'oreiller et la tête tournée sur le côté. Certains disent que ces dormeurs ne supportent pas bien la critique et ont tendance à être assez directs. Enfin, la position de demande d'affection consiste à s'allonger sur le côté avec les deux bras tendus devant soi. Ce type de dormeur est un peu complexe, mais aussi très ouvert d'esprit. Ils sont lents à prendre une décision, mais ils la maintiennent une fois qu'elle est prise. Le type et le style de pyjama que tu portes au lit sont également très révélateurs. Mais nous garderons cette question pour une autre vidéo. Eh hey, hé hey. La dernière chose dont tu te souviens, c'est d'être tombé. Tu te réveilles dans un hôpital entouré de médecins et de scientifiques. Comment vous sentez-vous ? Te demande-t-il. Tu t'aperçois que tu as du mal à respirer. Tu as l'impression d'avoir une boule coincée dans la gorge. Ton corps est brûlant. Tu transpires à grosses gouttes. Tu as aussi mal aux yeux et des difficultés à voir le visage des gens. Ne vous inquiétez pas, dit le médecin. Vous avez eu un accident, mais tout va bien maintenant. Vous avez survécu. Tu veux dire quelque chose, mais aucun mot ne sort de ta bouche. Seulement une toux bruyante. Tu ne peux pas les voir, mais tu sens que les gens autour de toi sont terrifiés. En un instant, tu comprends pourquoi. Une substance fibreuse dense et collante vient de sortir à la place de ta salive. Tu commences à paniquer, ton pouls s'accélère, plusieurs médecins te saisissent et t'attachent à ton lit. Ils te donnent un somnifère et tu te rendors. Tu fais un cauchemar dans lequel des milliers de petites araignées recouvrent entièrement ton corps. Tu appelles à l'aide, mais tu as quatre yeux d'araignée scintillant dans la bouche. Tu te réveilles en criant, mais cette fois, il n'y a personne à tes côtés. Étonnamment, tu te sens bien. Il n'y a plus rien de coincé dans ta gorge, ton corps s'est refroidi et tu te sens plein d'énergie. Tu te lèves de ton lit, vas vers le miroir et tu te figes d'horreur. Une petite poche de cuir s'est formée sur ta gorge, juste sous le menton. Tu inspires deux fois profondément pour te calmer et tu te souviens de tout. Tu es biologiste et tu as passé ces dernières années à étudier la soie d'araignée. C'est l'un des matériaux les plus résistants et polyvalents sur Terre. Un fil de toile est plusieurs centaines de fois plus fin qu'un cheveu humain. C'est une solide corde composée de centaines de nanofibres. Les araignées fabriquent leur toile à partir de la soie, une fibre naturelle constituée de protéines. Au cours de tes recherches, tu as essayé de créer une toile d'araignée artificielle en copiant toutes les caractéristiques d'une vraie toile. Utilisée correctement, elle pourrait être employée dans la construction, la médecine et de nombreux autres domaines. Il existe environ 50 000 espèces d'araignées dans le monde. La plupart d'entre elles ne créent pas de toile, mais produisent de la soie. Les propriétés de toutes les toiles sont différentes et tu étudies chacune d'elles. Dans ton laboratoire, plusieurs milliers d'araignées vivent dans de grandes caisses spéciales. Le jour de l'accident, tu as combiné les fibres naturelles de plusieurs centaines d'araignées parmi les plus incroyables pour produire de la super soie. Un matériau universel qui pourrait remplacer le plastique, le caoutchouc, les métaux et le bois. Tu as placé la soie dans une petite boîte qui imite l'abdomen d'une araignée. Tu l'as mise sur un arachnide vivant que tu as placé ensuite dans un grand vivarium pour qu'il puisse tisser une toile à l'intérieur. Quelques heures plus tard, tu es retourné au laboratoire. Tu montes au sommet du vivarium, tu soulèves son lourd couvercle et à l'intérieur, tu vois une énorme toile brillante faite de la soie la plus parfaite du monde. Tu la touches du bout du doigt, mais tu t'aperçois soudain que tu ne peux pas le décoller. Plus tu te débats, plus la soie devient collante. Certaines araignées utilisent l'électricité pour attraper leur proie. Elles recouvrent leur toile d'une colle spéciale aux propriétés électrostatiques. Cette colle attire tous les objets présents dans l'air. Il peut s'agir de pollen, d'insectes et maintenant de ton corps. En raison de ces propriétés, tu t'emmêles dans la soie et tu te retrouves vite coincé. La toile s'enroule autour de ton bras et te tire à l'intérieur du vivarium. Tu tombes dedans et tu t'évanouis. Des scientifiques viennent dans ta chambre et t'expliquent que l'araignée à super soie a tissé un cocon autour de ton corps, mais ne t'a pas mordu. Tu as passé plusieurs heures enveloppé dans une toile d'araignée épaisse avant que tes collègues ne te trouvent dans le vivarium. La soie avait été en grande partie absorbée par ta peau. Maintenant, ton organisme a intégré la soie et tu peux produire une toile d'araignée. Tu as des glandes d'araignée juste à côté de tes glandes salivaires. Il y a donc une poche sur ta gorge. Pour l'instant, tu peux cracher des toiles. Mais à l'avenir, la soie pourra venir d'autres parties de ton corps. Tu as peur, mais tu es fasciné. Tu as hâte de commencer à faire des expériences. Tu te rends sur le terrain d'essai près du laboratoire. Là, tu craches ta soie sur un épais rondin de bois. Tu colles l'autre extrémité de la toile à un rondin situé de l'autre côté de la zone.
la soie est élastique. Tu envoies une légère décharge électrique à travers la toile avec un choker. La soie se rétracte et les deux rondins s'écrasent l'un contre l'autre. Tu veux tester sa résistance ? La toile la plus solide appartient à l'araignée Caerostris darwini. Sa soie est deux fois plus solide que n'importe quelle autre. Et il se trouve que tu as acquis les propriétés de cette soie. Tes assistants acheminent une grue de construction sur le terrain d'essai. Tu crées un long fil de soie que tu colles à la grue comme un câble. La toile soulève et maintient un bloc de ciment pesant plusieurs tonnes. De petites poches se forment au bout de tes doigts. Maintenant, tu peux produire la soie sous tes ongles et la projeter sur de longues distances. Tu te rends au laboratoire, tu regardes par la fenêtre et tu laisses échapper de minces filets de soie. La toile tombe mais ne touche pas le sol. De petites boules collantes se forment à ses extrémités. Tu comprends de quel type d'araignée elle provient cette fois. La veuve noire à dos rouge d'Australie tisse sa toile avec des fils de soie collants qui s'étendent jusqu'au sol comme un rideau de perles. Lorsque des fourmis ou des grillons touchent une de ces perles, la soie capture et soulève en l'air ces créatures sans défense. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'amuser. Tu décides de faire une farce à tes collègues et de répandre ces fils de soie dans tout le laboratoire. Quelques heures plus tard, tu vois plusieurs scientifiques suspendus en l'air. Ils te demandent d'arrêter. Tu tisses une toile au-dessus du sol et tu sautes dessus comme sur un trampoline. La super soie a aussi donné à tes os et à tes muscles de la force et de la souplesse. Alors tu n'as pas peur de te blesser. Tu enroules la soie autour de tes paumes et de tes doigts pour essayer d'escalader un mur. Tu poses tes paumes sur le mur, mais sa peinture et son plâtre se détachent et tu tombes par terre. Tu découvres une autre caractéristique. Tes doigts lancent de la soie, mais tu ne la vois pas. Si tu colles cette soie à n'importe quel objet et le tires vers toi, on croira que tu es doué de télékinésie. Certaines espèces d'araignées peuvent produire une soie qui ne reflète pas la lumière ultraviolette. Autrement dit, tu tisses une toile transparente. Tu as aussi de la soie qui reflète la lumière ultraviolette et apparaît bleue sous certains angles. Mais la chose la plus cool est la toile d'or. Sous les tropiques, certaines araignées imprègnent la soie d'une substance spéciale qui donne à leur toile une teinte dorée. Grâce à cela, tu peux concevoir de magnifiques motifs. Tu quittes le laboratoire et te rends dans un bois situé à proximité. Là, tu remarques que des centaines de milliers d'araignées rampent vers toi. Mais ne t'inquiète pas, elles ne veulent pas t'attaquer. Les araignées peuvent recouvrir leur toile de phéromones spéciales qui attirent les autres araignées. Elles les sentent à travers ta peau. Tu craches une toile d'araignée avec une grosse et lourde boule collante au bout. Certaines espèces produisent une telle soie et l'utilisent comme une masse pour capturer les insectes. Tu peux aussi lancer cette lourde boule pour casser un arbre. La soie d'araignée est stérile et a des propriétés antibactériennes. Tu crées une toile qui fonctionne plus efficacement qu'un pansement médical. Le seul problème est qu'il est difficile à décoller de la peau. Tu te rends au lac du coin pour vérifier une autre propriété étonnante de la soie d'une araignée spéciale. Celle qui vit sous l'eau. L'argyronette. Elle crée un cocon de soie qui ressemble à une cloche. L'araignée remplit cette bulle étanche d'une grande quantité d'oxygène et vit à l'intérieur sous l'eau. Tu libères la soie légère de tes doigts et de ta bouche et tu la tisses en une grosse boule. Ensuite, tu la jettes dans l'eau et tu y entres. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un sous-marin qui coule lentement au fond du lac. À l'intérieur, tu te couvres de soie hydrofuge et tu crées une couche d'air entre elle et ton corps. Tu sors du cocon et nages sous l'eau comme un plongeur sous-marin. L'air s'épuise et tu remontes à la surface. Tu attaches un fil élastique solide entre deux arbres et le saisis au milieu. Tu tends la toile comme un lance-pierre et tu te projettes en avant. Tu voles au-dessus des arbres et tu cries de joie. Tu passes devant le terrain d'essai, le laboratoire et... Attends, comment vas-tu atterrir ? Tu tombes dans les arbres. La dernière chose dont tu te souviens, c'est d'être tombé. Tu es de retour à l'hôpital. Ton corps te fait mal à cause de ton expérience un peu folle. Tu sens que quelque chose a changé. Les médecins te disent que la soie s'est complètement dissoute dans ton corps et que tu ne peux plus en produire. Eh bien, ça valait quand même le coup, te dis-tu. Tu es un scientifique qui a passé les dernières années à étudier les aptitudes du cerveau et à construire une machine capable de télécharger n'importe quelle donnée dans un esprit humain. Tu veux devenir avocat ?
Télécharge toutes les connaissances juridiques sur ton cerveau. Tu as besoin d'apprendre une nouvelle langue? Il suffit de mettre un casque spécial qui se connecte à ton esprit et télécharge toutes les informations nécessaires via l'ordinateur. Généralement, tu perds conscience pendant quelques minutes pendant que les informations sont téléchargées, puis tu peux te sentir fatigué pendant plusieurs heures car ton cerveau a besoin d'un peu de temps pour assimiler les nouvelles données. Mais maintenant, tu as décidé de télécharger bien plus qu'un métier. Tu veux télécharger une bibliothèque électronique avec des millions de livres pour devenir la personne la plus cultivée au monde. Tu mets un casque, tu démarres le programme, mais tu oublies une chose simple, mais importante. Le cerveau doit traiter toute information avant que tu ne commences à l'utiliser réellement. Pendant le sommeil, le cerveau humain analyse et traite toutes les informations reçues pendant la journée. Tu démarres la machine et tu tombes dans un abîme noir sans fin. Tu es en train d'escalader une montagne incroyablement haute. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici, ni depuis combien de temps tu fais cela. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois arriver au sommet. Tu traverses les nuages. Le ciel bleu est remplacé par l'espace noir. Le sommet est plus haut que la Station spatiale internationale. Tu regardes la montagne et tu vois que ce n'est pas seulement un rocher, mais des livres. Tu es en train d'escalader une énorme pile de livres. Des formules chimiques, des poissons, d'énormes pieuvres, des tableaux avec des formules mathématiques qui volent dans tous les sens. Tu arrêtes de t'agripper, mais tu ne tombes pas. Tu flottes dans l'espace et tu t'envoles vers le sommet. Il y a une lumière brillante. Tu te rapproches de plus en plus. Quelque chose se passe et tu tombes à toute vitesse. Quelqu'un te tire vers le sol. Tu reprends tes esprits, légèrement énervé qu'un si beau rêve se termine. Tu te réveilles, mais tu ne vois rien et ne te souviens de rien. Dans l'obscurité, il y a des éclairs de lumière et tu réalises que tes yeux sont fermés. Tu fais un effort incroyable et tu les ouvres enfin. Tu ne sais pas où tu es et ton cerveau assimile lentement des informations sur ton environnement. Tu veux sortir du lit et comprendre ce qui se passe, mais tu n'y arrives pas. Tes muscles ne veulent pas obéir. Tu ne peux pas tourner ton cou, chaque mouvement est difficile et ta bouche est sèche. Tes yeux se ferment car tes paupières sont difficiles à maintenir ouvertes. Tu veux appeler à l'aide, mais tu ne peux pas crier. Tes cordes vocales sont trop faibles et les muscles de ta mâchoire ne te permettent pas d'ouvrir grand la bouche. Ton amie entre dans la pièce et te dit de ne pas t'inquiéter. Elle dit que tu as dormi pendant un mois. Et c'est ce qui s'est passé avec ton cerveau et ton corps pendant tout ce temps. Notre sommeil se compose de deux parties, celle des mouvements oculaires non rapides, NREM, et celle des mouvements oculaires rapides, REM. Le sommeil NREM est le stade de sommeil le plus profond et se compose lui-même de plusieurs phases. On l'appelle ainsi car nos yeux ne bougent pas pendant cette période. L'activité du cerveau diminue et l'esprit se repose. On dit que pendant le sommeil NREM, notre subconscient s'active. Il analyse toutes les expériences que nous avons vécues pendant la journée. Ensuite, le cerveau commence à sortir lentement de la phase profonde pour passer à la phase REM. Tes yeux se déplacent rapidement derrière tes paupières et tu peux faire des rêves très vivaces. Les deux phases cumulées durent environ 1h30 à 2h et se succèdent plusieurs fois dans une même nuit. La phase NREM dure la majeure partie de ce temps, tandis que la phase REM dure 15 à 30 minutes. Si ton corps est suffisamment reposé, tu te réveilles juste après une phase REM. Si tu as besoin de plus de repos, alors tu retournes à la phase profonde après la phase REM. En moyenne, une personne passe par 3 ou 4 phases par nuit. Tu as eu plus de 350 de ces phases au cours du mois dernier. La phase REM est importante car elle reçoit toutes les informations du subconscient et les traite. C'est ainsi que nous faisons des rêves. Tu pourrais penser qu'un rêve n'a aucun sens, mais il est lié aux événements et aux sensations que tu as vécues au cours de la journée. Lorsque tu as téléchargé la bibliothèque contenant des millions de livres dans ton esprit, il a fallu beaucoup plus de temps pour traiter une telle quantité d'informations qu'un sommeil habituel de 8 heures. Tu ne te souviens que d'une petite partie de ton rêve et ta conscience n'a pas l'impression qu'un mois entier se soit écoulé. L'ensemble du traitement des connaissances téléchargées t'a été caché par ton subconscient. Mais tu en as vu une petite partie. Tu as rêvé que tu escaladais un sommet qui symbolisait la connaissance. C'était ta dernière phase REM dans ce rêve. C'est pourquoi tu t'en souviens si bien. Le niveau de ton érudition est incroyable maintenant. Mais à quoi bon si tu es désormais complètement impuissant à te déplacer? Ton corps a traversé une véritable épreuve ce mois-ci. Pendant les premiers jours de sommeil, ton corps ne change pas beaucoup. Ton cerveau, sachant que tu es endormi, produit une hormone spéciale qui fait que tu n'as pas envie d'aller aux toilettes. De plus, pendant le sommeil, ton corps se refroidit légèrement et tes muscles se détendent complètement. Sans effort physique, les fibres musculaires deviennent plus faibles et plus petites. Tu perds 1 à 5% de ta masse musculaire chaque jour. La circulation sanguine est perturbée. Les muscles ne reçoivent pas d'énergie et s'affaiblissent tellement qu'ils s'atrophient. Au bout d'un mois, ils deviennent comme une fine couche de gelée. Cela ne s'applique pas seulement à tes bras et tes jambes. Ton visage ne peut pas exprimer d'émotion et tu ne peux pas ouvrir les yeux. Quelques jours après s'être endormi, le corps commence à subir une déshydratation sévère. Après une semaine, un grand pourcentage du liquide contenu dans ton corps disparaît. L'humidité est extraite des tissus de la peau, de la graisse et des muscles pour maintenir ta santé générale.
pour conserver l'humidité et l'énergie du corps, celui-ci se refroidit. Au bout de quelques semaines, tu n'es pas beaucoup plus chaud qu'une canette de soda dans un réfrigérateur. Un mois plus tard, tu ressembles plutôt à un gros morceau de glace. Chaque jour, de moins en moins de vitamines et de nutriments sont distribués dans ton corps. Imagine que le système sanguin soit une large autoroute avec des milliers de voitures, où chaque voiture est un élément nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Chaque jour, le nombre de voitures diminue ainsi que leur vitesse. Au bout d'un mois, la route est presque vide. Le métabolisme est arrêté. Tous tes organes, à l'exception de ton cœur et de tes poumons, cessent presque de fonctionner car le corps n'en a pas besoin. Les reins ne filtrent pas les liquides entrants, le foie ne contrôle pas le métabolisme. Car aucune substance ne pénètre plus dans le corps. Le manque de vitamines et de nutriments rend tes os aussi fragiles que du verre. Le cerveau manque aussi de nutrition. Il continue à acquérir de nouvelles connaissances, mais sa vitesse de réaction et ses capacités d'analyse diminuent. Presque toutes les ressources restantes du corps sont redirigées afin de fournir de l'énergie au cerveau. Mais cela ne suffit toujours pas. Après ton réveil, il se peut que pendant un long moment, tu ne comprennes pas où tu es, qui tu es, ni ce qui se passe. La télévision est allumée devant toi, mais il te faut quelques secondes pour t'en rendre compte. Ton rythme cardiaque est réduit, le cœur ne fonctionne pas à pleine puissance. Tu respires si lentement et si faiblement que même une mouche passant devant ton nez peut à peine sentir ton souffle. Ton corps est maintenant comme un ordinateur portable dont la batterie serait faible. L'énergie est juste suffisante pour afficher l'image, mais l'ordinateur a besoin d'être chargé. Tu serais à la fois la personne la plus intelligente et la plus impuissante du monde. Heureusement, cela ne t'est pas arrivé car pendant tout ce temps, tu as été aidé par ton amie. Elle t'a nourri par un tube et t'a donné un ensemble de vitamines. Ton corps était recouvert d'une couverture qui crée des impulsions électriques. Pas trop puissantes au point de te blesser, mais suffisantes pour que tes muscles se contractent. Tu étais en pleine forme pendant ton sommeil. Bien sûr, cela ne suffit pas pour se réveiller et se sentir revigoré. Dans les premières minutes, il t'est encore difficile de bouger. Mais après une heure, tu te lèves du lit. Au cours des semaines suivantes, tu rétablis ton alimentation, tu fais du sport pour tonifier tes muscles, tu médites et tu fais des exercices de réflexion pour soulager ton stress cérébral et restaurer ton système nerveux. Les nouvelles connaissances ne viennent pas immédiatement, elles arrivent par vagues chaque jour. Aujourd'hui, tu connais toutes les œuvres des écrivains classiques et demain, tu comprendras les dernières réalisations dans le domaine de la neurochirurgie. Avec ces connaissances, tu décides de commencer à étudier le sommeil. Tu as tellement aimé ce rêve d'escalader la montagne que tu es sur le point de créer un appareil qui peut enregistrer tes rêves. Ton plan est de créer un algorithme simple pour que ces rêves puissent être affichés sur un écran d'ordinateur une fois que tu te réveilles. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte de langue. La langue est constituée d'un ensemble de muscles mobiles et puissants qui ne se fatiguent presque jamais. Elle contient entre 5000 et 10 000 papilles gustatives. Ces petites bosses blanches et roses situées sur ta langue ne sont pas des papilles gustatives, mais chacune d'entre elles en possède plusieurs à l'intérieur de son tissu superficiel. L'évolution nous a donné des papilles gustatives pour que nous puissions rester en vie. Par exemple, les saveurs aigres et amères peuvent indiquer que tu es en train de manger des aliments pourris ou des plantes toxiques. L'arrière de la langue est plus sensible aux saveurs amères, ce qui explique pourquoi nous pouvons recracher les mauvais aliments avant de les avaler. Les goûts salés et sucrés nous permettent de savoir si les aliments sont riches en nutriments. Vers l'âge de 60 ans, la majorité des gens perdent la moitié de leur papille gustative. En effet, ta langue est plutôt cool et ses empreintes peuvent être utilisées pour l'authentification biométrique, tout comme les empreintes digitales. Chacun d'entre nous a une empreinte de langue différente et unique. Alors si tu ne veux pas révéler ton identité secrète, tu n'as qu'à cacher ta langue. C'est rigolo, non? Pourquoi avons-nous des empreintes digitales? Les scientifiques avaient beaucoup de théories différentes sur le sujet, mais ils estiment aujourd'hui que c'est parce que les empreintes digitales permettent à la peau de s'étirer plus facilement. Ainsi, elles nous permettent d'éviter les ampoules, de protéger la peau contre les blessures et d'améliorer notre sens du toucher. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des empreintes digitales uniques, les koalas aussi. Seuls environ 7% des gens sont gauchers. Les gauchers mâchent la plupart du temps la nourriture du côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font du côté droit. Nous perdons près de 5 kg de cellules de peau chaque année. Mais rassure-toi, nous les remplaçons rapidement. Nous produisons chaque 15 secondes plus de cellules qu'il n'y a de personnes vivant aux États-Unis. Notre corps se régénère en permanence et nous remplaçons notre peau des centaines de fois au cours d'une vie. Oui, le corps entier se régénère, sauf les dents. C'est la seule partie du corps qui ne peut pas le faire. Nos dents sont similaires à celles d'un requin. Leurs dents ont aussi une substance appelée dentine à l'intérieur et elles sont aussi solides que les nôtres. Bien sûr, les leurs sont plus pointues et plus grosses, mais quand même, les dents font partie du squelette humain, même si elles ne sont pas considérées comme des os. Tu passes environ 38 jours de ta vie à te brosser les dents, et devine quoi, il est possible que tu les brosses trop.
En effet, elles peuvent devenir plus sensibles car cela use les mailles naturelles. Tes poumons gauche et droit ne sont pas de la même taille. Le droit est plus grand car le gauche partage son espace avec le cœur. Le hoquet est un symptôme que presque tous les mammifères connaissent de temps en temps, et pas seulement les humains. Le record a été établi par un homme nommé Charles Osborne. Il n'a pas pu s'arrêter de hoqueter pendant 68 ans. On dirait que personne ne lui a parlé du truc qui consiste à manger du sucre. Il n'y a qu'une seule partie de ton corps qui ne reçoit pas un apport régulier en sang, et il s'agit de tes cornées. Elles reçoivent l'oxygène directement de l'air. Nos yeux peuvent différencier 10 millions de couleurs différentes. Les muscles qui aident nos yeux à se concentrer sur quelque chose font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais que les muscles de tes jambes fassent le même travail, tu devrais faire une très longue marche, au moins 80 km. Nous ne pouvons pas tous voir la lumière infrarouge ou les rayons ultraviolets. Seul 1% d'entre nous en est capable. Et si tu peux voir l'un de ces rayons, cela ne signifie pas nécessairement que tu peux voir l'autre. Des recherches indiquent que toutes les personnes aux yeux bleus du monde pourraient être apparentées ou du moins partager un ancêtre très éloigné. Les scientifiques ont examiné des individus aux yeux bleus originaires de Turquie, d'Inde, de Jordanie et de Scandinavie. Ils avaient tous les mêmes séquences génétiques de la couleur des yeux. Ils pensent que cette caractéristique provient d'une personne aux yeux bleus dont les gènes ont muté il y a environ 10 000 ans. Avant cela, les yeux étaient simplement tous de différentes nuances de marron. Les personnes aux yeux bleus sont généralement un peu plus sensibles à la douleur que les autres individus. Nous clignons environ 20 fois des yeux en une minute, ce qui signifie que nous le faisons plus de 10 millions de fois par an. Le fait que nous ressemblions aux requins concerne également nos yeux. Si une partie de ton œil est endommagée, tu peux la remplacer par celle d'un requin. C'est pratique, non? On ne peut pas éternuer avec les yeux ouverts. Essaie! Il est très difficile de passer outre tes réflexes naturels. Les cils ont aussi leur propre vie, puisqu'un seul cil vit environ 150 jours avant de tomber. Nous avons tous la chair de poule lorsque nous entendons une bonne nouvelle, notre chanson préférée, ou lorsqu'il fait ridiculement froid dans le rayon des surgelés. C'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres. Cela se produit lorsque nous libérons de l'adrénaline. Cela nous fait dresser les cheveux sur la tête et nous aide à avoir l'air plus imposant. Effrayant, hein? Le cerveau humain possède 100 milliards de neurones et une capacité de mémoire qui équivaut à plus de 4 téraoctets, ce qui est énorme. Ton cerveau utilise plus du quart de l'oxygène que tes poumons absorbent et il est composé principalement d'eau, à savoir à plus de 75%. Reste toujours bien hydraté. Il n'est pas vrai que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Nous utilisons bien plus que cela, même pendant notre sommeil. La majeure partie de notre cerveau est constamment active, mais nous ne sollicitons pas toutes les parties en même temps. De toutes les espèces, les humains sont les seuls à pouvoir rougir. Ce phénomène est dû à une poussée d'adrénaline. Lorsque tu sens ton visage devenir rouge, sache que ton estomac l'est aussi. C'est bizarre. Lorsque tu fais craquer tes articulations, le son que tu entends est celui de minuscules bulles de gaz qui sont libérées. Il y a des poches de gaz piégées entre tes articulations, donc quand tu les étires, elles font un bruit sec. Oh, comme c'est agréable! Ah! Nous utilisons 43 muscles lorsque nous fronçons les sourcils, mais seulement 17 lorsque nous sourions, bien que les scientifiques ne soient toujours pas d'accord sur ce point. Quoi qu'il en soit, souris! Une personne moyenne consomme environ 33 tonnes de nourriture au cours de sa vie. C'est l'équivalent de 6 éléphants! Nous respirons environ 11 000 litres d'air par jour, mais nous ne pouvons pas avaler et respirer en même temps. La plupart des gens ont besoin d'environ 7 minutes pour s'endormir, et nous sommes à peu près les seuls êtres vivants à dormir sur le dos. Randy Gardner a décidé de tenter le record de la plus longue période sans sommeil. En 1964, il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Je suppose qu'il avait des voisins assez bruyants. De tous les animaux, les humains sont les seuls à avoir un menton. Lorsque tu as soif, cela signifie que la perte d'eau que tu subis est égale à 1% de ton poids corporel total. Si elle dépasse 5%, tu peux même t'évanouir. Au cours de ta vie, ton corps passe de 300 os à 206. Plus de la moitié de tous tes os se trouvent dans tes pieds, tes chevilles, tes mains et tes poignets. Le plus grand os humain est l'os de la cuisse, et le plus petit s'appelle l'os de l'étrier. Il se trouve à l'intérieur de ton tympan. Ton nez peut reconnaître un trillion d'odeurs différentes et se souvenir de 50 000 d'entre elles. Par ailleurs, les femmes sentent mieux que les hommes et le sens de l'odorat est jusqu'à 10 000 fois plus développé que le sens du goût. La surface de nos poumons est presque égale à celle d'un court de tennis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sensation que tu éprouves lorsque tu franchis une crête sur une montagne russe et que ton estomac remonte dans ta gorge? Eh bien, la ceinture de sécurité maintient ton corps en place, mais ton estomac, tes intestins et tes petits organes internes, eux, bénéficient d'un peu de liberté. Cela ne te fait aucun mal, mais tes nerfs n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils pensent vraiment que ton estomac a fait un bond dans ta gorge.
nous sommes tous plus grands le matin, car durant la journée, le cartilage qui se trouve entre nos os se comprime. Cela nous fait perdre environ un ongle à la fin de chaque journée. Le nez et les oreilles sont des parties du corps qui ne cessent de grandir. C'est surtout grâce à la gravité. Les veines et les artères à l'intérieur de ton corps sont assez longues pour faire deux fois le tour du monde. Le sang représente environ 8% du poids de ton corps. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec l'ambiance générale de la chanson. Alors choisis-la judicieusement. Ta peau est le plus grand organe de ton corps. Elle compte pour environ 15% de ton poids total. Sache que tu peux brûler plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Et si on dormait alors que la télé est encore allumée? Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit deux fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leur narine et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents, dont 700 000 de tes propres squames cutanés, et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs deux oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite, il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs. Mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur.
Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masseté est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 doux. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1 000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes punctas. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles lingales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 600 litres de sang par jour.